The Infant of France. フランス国歌の演奏です。Dans quelques minutes, le début de cette grande finale olympique du tournoi masculin de handball entre la France et le Danemark. La composition, la feuille de route de cette finale avec, sans surprise, Nodji, l'absence de Melvin Richardson, l'arrière droit qui a été laissé en tribune. C'est le cas depuis quelques matchs. Il aura joué 3 matchs hein, dans ce tournoi olympique. L'Argentine, où il avait été excellent, Melvin, à 7 sur 7. Et puis on l'a revu sur... les matchs de la Norvège et du Bahreïn. Là, il n'est pas là pour cette finale. Et puis du côté danois, également pas de surprise, c'est Emil Jakobsen, l'ailier gauche, qui est laissé en tribune. Guillaume Gilles a fait ses choix. Il les assume bien évidemment en compagnie d'Eric Maté, son adjoint Nikolaj Jakobsen, l'ancien ailier, qui lui sélectionneur du Danemark. Le Danemark qui dispute sa deuxième finale de suite. Les Français, eux, sont en finale olympique depuis 4 éditions maintenant. Il y a eu de l'or à Pékin, il y a eu de l'or à Londres, et puis cet argent il y a 5 ans à Rio. Et aujourd'hui, cet homme peut rentrer dans l'histoire. Il y aura peut-être un duel dans le duel entre Mikel Ancel et Nicolas Karabatic, le capitaine de l'équipe de France, Mika Guigou, dispute très probablement ses derniers jeux, qui a d'ailleurs égalé contre l'Égypte Frédéric Vol en atteignant ce total de 1020 buts. Ancienne légende de l'OM Vitrolles. Qui doivent être eux aussi devant leur télévision. Bah, évidemment, ils ont intérêt, on les salue. Les anciens. C'est costaud. Ceux qui ont écrit le début de l'histoire du handball. Tout a été parfait jusque-là. Faites que ce rêve continue encore un peu 5 ans après Rio. 5 ans après cette défaite en finale, Nodji, les Bleus retrouvent à Tokyo aujourd'hui le Danemark. Place à l'apothéose, on l'a dit, c'est la finale rêvée. La 4e de suite pour notre belle équipe de France. Aux Bleus de la rendre encore plus inoubliable. La dynastie danoise, Nodji, a assez duré. Oui,
on va essayer d'arrêter justement cette dynastie. Là, on le voit avec... Et un premier jet de 7 mètres. Ouais, cette première action là de Holm en 1 contre 1 face à Nikola Karabatic. Ouais, défense en zone. Rien d'illogique dans la décision des deux arbitres macédoniens et Mikael Hansen, auteur de 12 buts en demi-finale, qui se retrouve face à Vincent Gérard pour un premier duel dans cette partie au bout de 50 secondes. Et le premier but de cette finale inscrit par Mikael Hansen. Ils se connaissent bien ces deux, hein. Et oui, ils jouent ensemble au PSG. Mikael Hansen, meilleur marqueur de l'histoire des Jeux. Un joueur incroyable. 157 buts, Mikael Hansen, en 4 participations. Titre de comparaison, Nikola Karabatic en est à 123, à la 3e place de l'histoire. Et voilà, on retrouve l'équipe de France avec Luka Karabatic au poste de pivot et sur la base arrière, Rémi Lee, Dikamem, Nico Karabatic sur les ailiers. Attention, pas perdre de balle. Du classique également. Oui, ouais, voilà, le bon nos service. Deux grands joueurs du handball qui ouvrent le bal. Chacun de son côté. Nico Karabatic, exactement. Avec cette superbe passe là. Nedim Rémi Lee, meilleur passeur du tournoi. Hein. C'est à signaler. Ouais, il a une très bonne vision du jeu, hein, Nedim Rémi Lee. Hein. À égalité d'ailleurs avec Mathias Gitzel qu'on voit là en bas de l'écran, le numéro 33, 22 ans. Elle fixe, je pense que très clairement sur les stats, les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs sont là sur le terrain aujourd'hui. Et c'est la finale rêvée, on l'a dit. C'est, attention. Holm, là, qui se retrouve au sol. Lui, il a des cannes en feu, Mathias Gitzel. Mikael Hansen est un petit peu plus âgé, mais il réalise encore lui aussi un tournoi. Tout simplement somptueux, le joueur du PSG, futur joueur de Guéogué. Le bras élevé. Allez, défend bien, les mains en l'air. Bien défendu. Ouais, le bon contre, le bon contre des 2-3 là en défense. Karabatic et Fabregas. Fabregas qui laisse sa place pour faire rendre Nedim Rémi Lee. Super, dit quand même. Ce tir dans la foulée. Et vous vous souvenez de la demi-finale, hein, Nodji, il a inarrêtable. Mis du temps. Il a mis du temps à rentrer. Et ensuite, en seconde période, effectivement, il s'était montré inarrêtable. Là, il commence bien. Attention, Hansen. Attention à ce joueur. Ouais. Là, c'est lui hein, qui met le rythme en attaque. C'est lui qui fait tout sur l'attaque danoise. Nedim Rémi Lee à 9 mètres. C'est contré. C'est contré et c'est récupéré par le gardien. Ah, Niklas Landin, meilleur gardien de la planète en 2019. Allez, le repli, très bien là, bien défendu. Oui. Ah, dommage, Fabregas. Ah, c'est un peu désorganisé là en défense, avec cette montée là, avancée de Fabregas qui avait tenté d'intercepter. Et on a bien trouvé Sokstrup, le pivot. Bien ça, penalty. 7 mètres, provoqué par Luka Karabatic. Eh bien, quelle intensité. Oui, chaque ballon est utilisé. Pas une seconde pour souffler là. Non. Les deux équipes sont dans leur match. Ouais, belle prise de balle à une main là, de Luka Karabatic qui obtient ce penalty pour notre Desca. Oui, Hugo Desca, 14 sur 14 dans l'exercice, 29 sur 30 dans ce tournoi. C'est surréaliste ce qu'il nous fait le Montpelliérain, sachant qu'il a manqué en plus un match contre le Bahreïn. Allez, face à Niklas Landin. Et ouais, Sabala, c'est un spécialiste. Toujours avec des tirs sur des pénalties, mais un régal au niveau de sa précision, de sa technique. Regardez ça. Quel gestuel. Le coup de poignet là. Ah c'est... oui, tout le temps. Oui, oui, il faut bomber le torse et gonfler le biceps également. Et cette coupe là sur le biceps aussi. 3 partout après 4 minutes 30 de jeu. L'Espagne qui allait chercher la médaille de bronze face à l'Égypte dans un match d'une haute intensité également, que vous avez pu suivre tout à l'heure en compagnie de Thomas Coupé et de vous, Nodji. Un super match. C'était un très beau match. Le Danemark là, qui nous propose sa base arrière type hein, avec Holm, Gitzel. Voilà, faut pas lâcher, attention, faut remonter à Lucas parce que la défense était en zone. Donc refaire la même chose mais un peu plus haut et c'est parfait. Le voici, Holm. Ouais, super. Regardez-le, Nico Karabatic. Allez, pas toi. 37 ans. Allez, qui espérait un peu plus. Il espérait un peu plus, Nicolas. Il aurait presque pu la lâcher à Luca Ballo, qui était à sa droite. Ouais, mais là, regardez, il avait tout son regard qui était fixé vers le but. La détermination.
de Nicolas Karabatic. Ah oui, ben il obtient son pénalty. Il n'y aura pas deux minutes, mais il y aura un jet de 7 mètres. Effectivement, Hugo Desca va y retourner pour donner à nouveau l'avantage à l'équipe de France. Tout à l'heure, dit quand même, fait passer le score à 2-1. Hugo Desca face à Niklas Landin. Ils sont à 3 sur 21 en combiné, les deux gardiens danois dans l'exercice. Oh et voilà, le quatrième arrêt du tournoi. Ça tombe pas au bon moment pour l'équipe de France. C'est pas grave, on se ressaisit, ça arrive. Premier arrêt hein, bah, à 7 oui. mètres à Landin dans ce tournoi. Ah ouais. Il a bien attendu Landin là jusqu'au dernier moment pour. Ah, c'est la marque des grands gardiens de sortir ouais. les arrêts qu'il faut lors des matchs qu'il faut. Niklas Landin, double champion du monde, élu meilleur gardien de but d'ailleurs lors du mondial 2019 à domicile. Élu meilleur gardien de but également lors du titre olympique il y a 5 ans. Mais il y a plein de duels, il y a plein de matchs dans ce match. Hein. Un match de gardien, un match d'arrière historique au niveau du handball. On a de quoi, on a de quoi faire. La jeunesse incarnée par Gitzel et Dikamem et Nedim Remini. Tout à fait. Attention au pivot. Ah bien ça. Ce truc, la passe à le caviar de Mikael Hansen. Attention, il y a des espaces en défense. Le buteur et le pastis sur cette tentative de Nico Karabatic. Alors là, Landin, là, il nous fait une période. Ouf. Alors je vais vous dire quelque chose, Noji. De voir une contre-attaque danoise, c'est quand même pas si fréquent. Cette semaine, c'est quasiment l'équipe la moins rapide en contre-attaque qui en joue le moins. Et là, de voir, je pense que c'était Lasses Van hein, qui a raté cette contre-attaque. Oui, c'était bien lui. D'envoyer cette ogive là au-dessus. Complètement raté ce tir. Hein. Ils montent la balle beaucoup en marchant, les Danois. Il y a eu très peu et oui, de et puis après, ils changent de rythme. Hein. Ils voilà. changent de rythme après. Très peu de contre-attaque. Là, on s'en sort bien. Ouais, le Schwanker. Allez, on va. Nico Karabatic ouais. qui a beaucoup joué. Hein. Nico Karabatic, il a, je crois, le troisième ou quatrième temps de jeu des Français. C'est ça, 4h19, quatrième temps de jeu des Français. C'est beaucoup pour un joueur qui revient d'une rupture des ligaments croisés en octobre dernier. Dit quand même ah, le poteau. C'est poteau. C'est récupéré. Mais c'est ça aussi la signature des grands joueurs. Nicolas Karabatic hein, qui revient de cette blessure et qui a tout fait pour être au top. Et qui réalise un tournoi extraordinaire. Lui qui, en plus, a dû composer avec la blessure définitive de Timothée Nguessan. Allez, on revient à la faute. C'est ça, il faut continuer. C'est bien ce qu'il fait, dit quand même. Il ne faut pas se poser trop de questions. OK, il y a eu un poteau, mais les situations étaient bonnes. Il faut les provoquer. Le tourner, superbe, dans l'intervalle. Et encore l'arrêt à bout portant. Il nous met un échec, il nous met un échec. Qui quand même, qui a peut-être pris un coup au visage, ouais. qui reste au sol. Pour l'instant, les arbitres n'ont pas sifflé. On est à 5. Oui, Gitzel. On est à 5. Peut-être que si, à un moment donné, il va falloir siffler. Voilà. Que se passe-t-il de l'autre côté? Je pense qu'il a pris, il a pris un coup sur le visage. Ah, il y avait cette passe magnifique. C'était bien joué, ça. Le c'est demi-tour contact. Ouais, le bras gauche dans le visage de Dikamem. Formidable arrêt en tout cas de Niklas Landin qui commence très très fort cette finale olympique. Le gardien de Kiel en Allemagne. 50% là, il en arrête 3 sur 6. Allez, balle de plus 2 pour les Danois. Et l'arrêt, voilà, on le demandait. Un premier arrêt de Vincent Gérard tout à l'heure. Le tir contré, évidemment, par le bloc n'avait pas été réalisé. Il y a du grabuge, il y a du grabuge. Allez, va. Nico. Allez. Qu'est-ce qu'il siffle, passage en force. Ouais, il a une montré faute le coude. Du coude. Ouais. Allez, il faut venir se replier, Nico, il faut faire l'effort. Ouais, la perte de balle. On s'en sort bien. Luca Ballo qui a bien dissuadé cette passe-là. Holm, pardon, qui s'était retrouvé avec sa longue chevelure sur l'aile. Malheureusement, cette balle lui a glissé des mains. Les yeux de Nicolas Jakobsen, le sélectionneur qui lui fait passer 2-3 messages. Ouais, je pense. L'ancien ailier gauche de Kiel et de Viborg, l'homme des deux titres de champion du monde. Allez, une rentrée en deux pivots de Mikael Gouk. Oh, la passe, elle n'était pas assez. Ouais, on n'arrive pas à le trouver. Pas assez précise, mais c'était bien joué. Mais il faut ajuster ses passes. On a les solutions en attaque. On joue
On joue juste, attention le contre. Vincent Gérard sur sa lancée de la demi-finale. Lui qui, comme l'a dit son sélectionneur, a quelques, voilà. quelques détracteurs. Parfait, voilà. Frangin. Voilà. Ah non, c'est la pas condition. Le frangin, c'est non, pareil, c'est un but. Fabregas, ouais. c'est Ludovic Fabregas. C'est Lucas Karabatic, effectivement. Qui sort. Ça, c'est bien joué, regardez. Ah, il était en zone, on va rien dire. On n'a rien vu du tout. Au tout début de sa course. Les arbitres de la petite finale également ont été quelque peu laxistes sur ces appuis zones également, ces pieds qui traînaient sur la ligne. Et ça fait 4 partout. 10 minutes de jeu dans cette finale. Le passage en force, bien provoqué par Lucho. Bien. Allez, la remontée de balle, quand même. Voilà, on va placer cette attaque. Voilà. On prend le temps, c'est nous qui avons le ballon. Et qui allons imposer notre jeu. Super, là, ce passage en force de Lucas Ballou. Ah, toujours ce set, là. Et donc, sur les ailes, ça ne bouge pas. Fabregas qui a remplacé Lucas Karabatic au poste de pivot sur la base arrière. C'est le même trio. Ouais, allez. Il y avait une main un peu haute là sur le visage dans le cou. Sokstrup, c'est un sacré défenseur. Il est associé au poste 3 avec un joueur que les Parisiens connaissent bien. Bien. Garde. Oh là là, il s'est complètement raté, Fabregas. Ouais. Par contre là, Nico Karabatic arrive à très bien le trouver. Attention là, c'est bien parce que là, on était pris. On va changer en défense. On a dit quand même que au poste 3, voilà. En retard, voilà. On se replace, on prend le temps, chacun à sa place. Nos deux pivots numéro 3 de défense. On a l'impression qu'après 11 minutes de jeu, toutes les balles de l'or. Bien sûr. Et cette finale, on était sur un rythme assez fou. Elle est bonne, la défense. Elle est bien placée. Nos joueurs gagnent les duels. Jeune également, hein. Holm. 25 ans, Jacob Holm. On a parlé des 22 ans de Mathias Gidsol. Et puis, il y a le vieux Briscard au bandeau. L'homme au bandeau. Attention à lui, hein, parce qu'il va prendre... Fabregas nous fait une défense magnifique. Il a sorti les griffes, Valverine. Ouais. Et le contre. Et voilà, et il contre. Il neutralise, il contre, il fait tout. Il n'y a pas forcément moyen de jouer vite là en bas. Non, parce que les Danois replient assez vite. C'est pas mal là cette rentrée en deuxième pivot de Lucas Ballou, mais la défense était bien placée. Une défense 0-6 hein, proposée par les Scandinaves. Alors que Valentin Porte vient de rentrer sur le terrain. Poste ailier droit. Alors, regardez cette défense, elle est haute. Allez, elle est, on provoque. Et encore un contre, la balle va être rendue aux Français, détournée par Sokstrup. C'est une défense qui est assez haute et peut-être que des rentrées à l'opposé du ballon pourraient aussi être pas mal. Quatrième finale olympique pour les Français. Avec l'espoir d'aller chercher cette troisième médaille d'or. Allez, et quand allez, même, allez, à 9 mètres. Parfait. Parfait. Avec cette pression mise par Nedim Remili au centre qui vient écraser la défense et Dikamem n'a plus qu'à tirer de loin. C'est un beau travail d'équipe ça. Allez, on va encore inverser avec Remili et Luka Karabatic, pas de problème. Ça a joué lentement. C'est le rythme hein, qu'affichent souvent les Danois. On ne se précipite pas et puis on accélère d'un coup. Mikael Hansen avec Mathias Gidsel qui est offensivement pour l'instant. On arrive à le maîtriser. Oui. Hein, c'est une bonne Parlons nouvelle. Pas trop vite. C'est mais une bonne nouvelle. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Et oui. Ou oh, attention, là. Pour l'instant, on l'a vraiment bien maîtrisé en défense, Gidsel. Il n'arrive pas à faire ces fameux 1 contre 1 où il met des revues à tout le monde. Et quand il fait des 1 contre 1, il y a toujours un autre joueur qui vient fermer. C'est parfait en défense. Nedim Remili, plus 2. Première fois du match que l'équipe de France possède cet avantage. Ce qui marche bien, c'est ces croisés arrière-arrière où le premier arrière vient écraser la défense pour laisser
après le croisé à possibilité de tirer, elle est à mort. Et sur ce 3-0 infligé par les Français au Danemark, le sélectionneur danois Nicolas Jakobsen qui décide de mettre fin à tout ça avec un temps mort. Og skyde i midten. Altså, vi kan ikke løbe rundt bare og spille boldene sådan der videre. Så er vi nødt til at komme på der. Mads bytter med Jakob. Du ser, om du kan komme ud. Hvis du kan komme ud, så løber du ned og dækker fløjen der. Du tager bakken derover. Her i første angreb, så spiller vi lige Barca højre. Mais screening les gars, c'est ici. C'est ici, là, en défense, dans l'activité, dans la capacité à faire des fautes dès que c'est possible. Toujours en dehors des nappes, les duels. Pas à 6, pas à 7. On continue à gagner. On touche. Time et duel. Nico, Nico, mais tu caches. Time et duel. Commencez à attendre. On va venir faire le bal. Ça peut défendre. Allez. 6-4 pour l'équipe de France dans cette finale olympique. C'est irrespirable. Évidemment, on le savait, entre ces deux nations qui se connaissent par cœur, qui s'affrontent depuis de nombreuses années pour les plus grands titres sur la planète handball. Et l'entrée en jeu de Mats Mensa. Mats Mensa qui avait fait une très très belle demi-finale. Il va falloir faire attention parce que c'est un joueur très puissant. Qui a marqué peut-être l'un des plus beaux buts de sa demi-finale. Toute fin de match. Le voici, Gitzel, on en parlait, le fameux 1 contre 1. Il n'avait pas encore tiré. Il ouvre son compteur. Il a des jambes bioniques. Regardez ça, la rapidité de ce petit gabarit, hein, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un petit gabarit hein, pour le handball. Il est fin. Oui. Oui, voilà. Il est fin mais grand. Oui, mais il est fin. Il va s'étoffer. 22 ans, il va prendre du muscle. Vous avez raison. Il rend quelques Allez. Kilos à Nicolas Karabatic. Attention, c'est l'interception ouais, on de va Trupp. Ah, le temps mort posé par l'entraîneur danois porte ses fruits. Les Danois qui restaient sur un 3-0. Il s'est croisé, mais là, mauvaise réception de Dika même. Une petite saute de concentration là, pour Dika. Après la défaite ce matin dans la nuit de l'équipe de France de basket, on envisage pas autre chose qu'une médaille d'or sur le hand avant de retrouver les filles demain. Et puis il y a le volet également sur Eurosport 1 si vous souhaitez le regarder, la finale des Français en compagnie de Lolo Chambertin et Géraldine Weber. Et puis évidemment sur l'application Eurosport, eurosport.fr, vous ne ratez rien de ces jeux. Toujours Poussin en faveur de l'équipe de France. Ouais, il s'était présenté en deuxième pivot là. Il n'a pas servi de calentienne. Et l'arrêt, bien joué. Super. Allez, il a lancé sa finale, Vincent Gérard. Regardez, il y a une situation, voilà. Allez, parfait. Au premier poteau. Elle y était cette situation de décalage avec un joueur danois qui était au sol. Allez, voilà, toujours Nedim Remili, hein, toujours aussi décisif en tant que passeur. Il en était à 31 avant ce match, à égalité avec Mathias Gitzel, tout en haut de la hiérarchie de ceux qui offrent des caviars. Il y en a déjà plusieurs dans cette finale. Le voici, Mads Mensa, le croisé avec Gitzel. Attention, peut-être... Non, rien du tout, heureusement, pour Fabregas. Le protège-dent catalan. Regardez ses appuis, comme ça va vite. Ça a été un peu... Il a été pris par sa vitesse. Ouais, et il a fait tomber Gitzel avec ses pieds. Petit croche-patte. Petit osotogari de Ludovic Fabregas. Et toujours cette base derrière. Gitzel, Mats Mensa, Mikael Hansen. Le Schwanker. La bonne défense de Nicolas Karabatic, mais il va avoir un jet de 7 mètres. Défense en zone. Ouais, la deuxième. Sensible à cette défense en zone. Il faut remonter. Eh oui, à la fin, Nicolas redescend un peu trop. Ouais, ça joue à 30 cm. Oui, pas grand-chose. Hein. Allez, Mikael Hansen de nouveau. Le premier a été marqué tout à l'heure. Vincent Gérard est le meilleur au jet de 7 mètres dans ce tournoi olympique. Plus de 40% d'arrêt. Cette fois-ci, pas de problème. Encore une fois pour Mikael Hansen. Il change, Mikael Hansen, le timing de son tir.
pour justement éviter que Vincent Gérard puisse faire ses arrêts. Ils se connaissent tellement bien. Ouais, les deux joueurs qui partiront après une dernière saison en commun au PSG. Mikael Hansen retournera au Danemark, on l'a dit, à Guéhogué. Puis Vincent Gérard gardera la cage de Saint-Raphaël. Allez, Nico Karabatic pour Nedim Remili. Ouais. Dit quand même. Ça défend bien côté ça danois. Ça défend bien, oui. Ah, Nedim Remili qui se fait on enchaîne le jeu, on enchaîne. Le bras va être levé, ouais. le bras est levé. On a trouvé Luka Karabatic. Allez, Lucas. Entre les jambes de Niklas Landin. Très bien. C'est une défense qui est assez haute, hein, qui est très agressive et qui est assez haute. Donc on a des espaces à 6 mètres, bien revenu. Allez, par contre, là, on a une défense qui allez, est. Allez. Oui, il s'est jeté dessus. Allez. Mika Guigou, plus 3. Quelle défense de Ludovic Fabregas depuis le début du match, Noji. Oui, il nous fait une défense mais incroyable. Il est partout. Regardez, au contre. Regardez ça, comment il s'est jeté là. Ouais. Sur cette balle. Et Mika Guigou qui se décale. Magnifique. Quel bonheur de le voir à ce niveau-là, encore à son âge. 39 ans, Mika Guigou, le capitaine. Quasiment 20 ans d'équipe de France, c'est juste incroyable. 20 ans d'équipe de France, 20 ans à Montpellier, aujourd'hui à Nîmes. Attention, la bonne sortie de Caballo. Et lui aussi, 36 ans. L'ancien joueur du PSG, l'ancien joueur de Ciudad Real. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2009. Il la belle, cette médaille d'or. Hein. Formé à Ivry. Regardez ça. Ah, quelle défense. Quelle défense de Luca Ballo. Et le banc, tout le monde est là. Hein. Le banc est levé. Plus 3, Noji, le plus gros écart du match. Allez, attention à Mikael Hansen, hein, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Oui, beaucoup sur les jets de 7 mètres. Il est impérial, mais c'est vrai que dans le jeu, il pousse à la passe qu'au tir. Voilà, il suffit qu'on dise ça. Et là, intelligemment, il a décalé son bras pour éviter le contre. Hansen, il en est déjà à 4 buts. Allez. Ah non, il laisse. Pas trop sur Luka Karabatic. Il est là. Par contre, il y a bien quelqu'un qui est resté au sol pour les Français. C'est Fabregas. C'est Mikael. Allez. C'était un peu brouillon ce qui s'est passé là. Il y avait une belle défense en zone de Mølgaard. Ben ouais, c'est, on pourrait demander un pénalty. Hein. Henrik Mølgaard aujourd'hui à Aalborg, passé par le PSG entre 2015 et 2018. Il ne joue qu'en défense. Voilà, le pastis. Allez. Ah, il l'a pas vu, le Caballo. Non, il l'a vu. Il l'a vu, c'est qu'il a considéré qu'il n'allait pas prendre de risque. Là, allez, on la récupère. On la récupère. Il y a quand même qui explique qu'on l'a quand même bien poussé dans le dos sur ce tir là. La balle est encore française. Regardez la rentrée en deuxième pivot de Nikola Karabatic. Ouais, qui s'était proposé. Ouais. Quand même a préféré y aller tout seul. C'est le timing là, c'est une petite histoire de timing. Mais on a vraiment des solutions à 6 mètres. Classement de ligne à 5 sur 14 pour l'instant. Vincent Gérard, on est à 4 sur 11. C'est le même pourcentage, 36% pour les deux gardiens. Et il y a un temps mort qui va être posé par Guillaume Gilles. Donc, je vous préviens, je commence déjà à perdre ma voix. Gardez-en un peu pour demain quand même. Oui, mais bon. La finale des films demain à 8h. Soufflez les gars. C'est bien. La prochaine, on peut tester du go double. Voir ce qui se passe là au milieu. On fort. Avant ça, je vais aller faire un petit duel. Je garde pour la deuxième celui-là. Avant ça, je vais taper un duel. On a le 9 mètres. C'est Nico qui rentre là tout de suite. Okay. Tu t'en attaques. Fais du go double. Oui, d'abord, tu mets 2 à droite. Entre 2 et 3 à droite. Je vais aller taper un duel top 35. Soit j'arrache quelque chose, soit 9 mètres. Et là, on fait du go double. Spiller vi returball højre. Mikkel i midten. Bredt. Mathias kommer på med en mand. Mikkel og Mads ud på det brede punkt, så lad os få noget fart i de bolde! Kom, vi får chancen hele tiden. Hvad kan vi for? Så. Mathias Gidsed va faire un 1 contre 1. C'est annoncé, c'est demandé. Temps fort à gauche pour isoler Mathias. Ça sera sur l'action prochaine, puisque la balle est toujours dans les mains des Français. On a entendu Nedim Remili alors que Nicolas Tourna fait son apparition. Il a passé ses consignes.
pas besoin de porter le brassard. Comme il dit, il a une place importante dans cette équipe. Le Parisien, futur joueur de Kielce, dans un an. Il l'a dit, hein, je vais enfoncer Toftansen. Oui. Allez, à 9 mètres. Le croisé, le double croisé. La passe, et du monde au sol. C'est difficile ça, c'est à peu près. C'est ouais, elle a été touchée. Ça a été touché. Petit manque de vitesse pour Nedim. C'était un petit peu arrêté cette phase offensive ouais. Là. Ça défend fort aussi côté danois. Encore 8 minutes 30. 16 petits buts marqués. C'est une mi-temps de défense hein, parce que 9-7, quand on voit qu'on a pas mal de très très bons buteurs, on peut se dire que la défense des deux côtés est très solide pour qu'il n'y ait que 9 buts pour la France et 7 buts pour le Danemark. Ouais, les Français qui, lors de leurs 7 premiers matchs ici à Tokyo, n'ont jamais regagné les vestiaires avec du retard. Hein. 5 fois, ils ont été devant à la pause. 2 fois... à égalité, c'était contre la Norvège, ça s'est soldé par une défaite. Et ensuite, c'était bah d'ailleurs il y a 2 jours contre l'Egypte. 13 partout à la pause. Et puis les Français ont fait la différence ensuite face à cette remarquable équipe égyptienne, 4e de ce tournoi. Et qui a pris rendez-vous avec l'avenir. Le Karabatic. Oh, on n'était pas loin du marché là encore. C'est petits espaces, là, on est là, tous regroupés. Là, il y a grosse défense. Allez, les bras élevés. Allez, il faut déclencher quelque chose. Nedim, on va la perdre cette balle. Ouais. Allez, là, je pense qu'il y a une ou deux passes. Ouais, il faut faire une protection. Il faut vite, très très vite jouer là. Très rapidement, pas trop attendre. Allez, Mika, tirer. À 9 mètres. Et non, et oui, il y avait une passe de trop. Ouais. Il aurait fallu faire une protection parce que l'attaque était tellement longue que c'était sûr que les arbitres allaient rapidement siffler. Mais c'est dommage hein, parce que c'était bien joué. Mais là, il aurait fallu peut-être protéger Nedim. Et c'est cette passe de trop. Ils ont considéré que l'attaque était déjà trop longue précédemment. Alors sur le temps mort précédent, on a opté pour Gitzel. On va voir ce qu'il va nous faire le numéro 33, là, Mathias Gitzel, le joueur de Gheorghe. Ah, il a enfoncé Nico Karabatic. Oui, on pourrait. Ça se défendait ce passage en force. Ah, il était en mouvement légèrement. Oui. Par contre, pas dans les pieds à 6 mètres, donc c'est parfait. Et ce poste d'arrière droit, Nogi, qui au Danemark a longtemps été le point faible. Là, ils ont trouvé quand même un sacré phénomène avec ce Mathias Gitzel, Mats Mensa, avec Mikael Hansen. Mais je trouve pour le moment qu'on arrive à très bien le maîtriser. Il y a eu tout à l'heure sur un contre un. Il s'attend. Quelle extension. Cette détente, il est resté 10 minutes en l'air là. Quelle extension! Par contre, on va prendre 2 minutes. Nico Karabatic ou pour Nicolas Tourna? Ouais, c'est pour Tourna. Quelle extension! Faut qu'on arrête d'en parler de Gitzel, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on maîtrise bien, il nous met un but. C'est vrai. Donc arrêtons d'en parler. 9-8. Il n'existe plus pour nous. Mais quel joueur, en tout cas. On est fan, on adore. Cette équipe de France aussi, elle nous fait rêver. On a sorti Vincent Gérard pour évoluer à 6 contre 6 avec l'entrée également au poste d'arrière gauche de Romain Lagarde. Un des deux réservistes de cette équipe appelé en renfort après la blessure de Timothée Nguessan à qui on pense également. Il y a un pas de trop. On va revenir à la faute. Ouais, la défense danoise qui a élevé le niveau là. Oui. Depuis quelques minutes, on a du mal à mettre en place quelque chose. On a du mal à trouver le pivot. On a du mal à prendre des tirs de loin. Ça monte bien, ça monte fort. Et le jeu à l'aile, Nogi est quasiment inexistant aussi. Hein. On ne l'a pas encore vu. On passe beaucoup par... Oh, l'interception, la main, magique. Récupéré. Voilà, ça joue, allez. On avait joué le passage en force du côté de l'Assesfan sur Mika Gigou. Allez, encore une minute. Le bras élevé. Il faut allez, tirer. Allez. Bon. Rémini. On reste sur un 2-0. Un 2-0 danois. Voilà, on trouve Fabregas qui se retourne. Joué, mais quelle expérience mètres. Mais quelle expérience de la part de Rémini et de Fabregas. On a des pivots. Et on en a 3. Ça a été un choix hein, de Guillaume Gilles hein, de partir avec ces 3 pivots parce que c'est 3 pivots qui ont des jeux très différents.
Et chacun, c'était impossible pour lui d'en laisser un en France. Il en est de France, hein, avec ce poste 3. Oui. C'est notre charnière centrale. Hein. Ouais, on a ces trois-là. Et puis on a aussi Pauletta Foppa chez les filles. Béatrice Edwige qui fait un travail remarquable en défense. On retrouve un petit peu moins en attaque. Mika Guigou. Godesca a raté tout à l'heure le précédent. Il est à 1 sur 2, le Montpelliérain. Et c'est un ancien Montpelliérain qui se présente face à Niklas Landin. Il en est à 5 sur 8 dans ce tournoi. Allez, celui-là, faut le marquer. Celui-là, faut le marquer, Mika. Il est en difficulté. Kevin Moller, le gardien remplaçant, qui encourage Niklas Landin sur le banc. Nouvel arrêt, le deuxième de suite. Il prend de la place. Regardez la place qu'il prend. Et la main droite, quelle réactivité. Encore 10 secondes en moins. Et Gitzel qui a les mains remplies de pâte à tartiner dans ce début de match. Deuxième perte de balle. Cette rencontre qui se joue au Japon à 21h, dès 21h30. On va commencer à 21h. Allez, Nicolas Tournard. Le poste de pivot est toujours sur la base arrière alors que Mikael Hansen est parti se reposer un petit peu. Quentin Mahé, Romain Lagarde et Dika même. Allez Quentin. Ouais. Toujours ce petit score en attaque, hein, on ne franchit pas. Ça fait longtemps qu'on est bloqué. Les deux chiffres. Hein. Ouais, la deuxième pivot. Oui, il a trouvé Lucas. Voilà, voilà. On l'avait vu arriver sur son aile droite. Parfait. Lucho. Il y a de la place à 6 mètres. Il est rentré à l'opposé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il vous a entendu. Et encore une perte de balles. Allez, tout de suite. Est-ce qu'il va la donner? Non. Il ne va pas se précipiter, il reste 4 minutes 30, plus 2, les Français qui sont devant au score depuis maintenant. La dernière fois que les Danois étaient devant, c'était à 4-3, je crois. Pas mal de pertes de balles, hein. Pas mal de pertes de balles sur une simple circulation de balles, de la part des Danois aussi. Donc c'est bien, c'est que cette défense les perturbe. Romain Lagarde. Quand même, Quentin Mahé qui tente sa chance, cette balle qui est contrée, qui va être rendue à l'équipe de France. Tout va bien pour l'instant pour ces Bleus en quête d'or olympique pour la troisième fois. Pointilleux, les arbitres macédoniens. Quentin Mahé. Alors, la récupère. Quand même. Non, il n'y a pas de passage en force. Le passage en force, mais là, Quentin Mahé. Le tir en appui de Quentin Mahé. Avec toute sa vista. Il a de l'or dans les doigts, ce joueur. Le fils de Pascal. Il n'a rien vu, Niklas Landin. Rien du tout. Il était caché par les défenseurs danois. Plus 3 à nouveau. En tout cas, les joueurs qui rentrent dans ce match-là, rentre bien. Ils sont là, ils sont présents. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Ils sont prêts. Non, il n'y en a pas un seul qui passe à côté. Pour l'instant, c'est à souligner. On a cette efficacité, malheureusement, perdue au pénalty. Mais sinon, on y est. Hein. Un peu comme... comme parfait là. Oh non, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il siffle? C'était tout simplement super bien défendu. Allez, cette balle. Toujours dans les mains danoises. Ouais, cette inefficacité au pénalty, on l'a connue hier également avec les filles. Hein. Oui. Oh la barre, il a explosé le montant. Cette puissance. Ce bruit. Alors, incroyable. Il a cassé des paniers à sa grande époque en NBA. Regardez ça. Là, il a quasiment fondu la barre en deux. Il y était, hein, Vincent. Il était dans la trajectoire de cette balle. Hein. Balle de plus 4. Romain Lagarde! Quelle lucarne de Romain Lagarde, Noji! Je vais plus avoir d'oreille. Plus 4, c'est le plus gros écart du match. Oh, cet impact! Mais quel impact de Romain Lagarde! En demi-finale, on l'a senti un peu. Voilà, il marchait sur des œufs en attaque. Il laissait les ballons importants. Là, il a pris ses responsabilités. Le futur ex-squad. Quel missile! Quel missile!
plus 4, le plus gros écart, 1 minute 30 à jouer. Et là, on était à plus de 100 km/h, hein, facile. Ah, la bonne passe, Toft Hansen. Ouais, c'est bien joué. Le tir à rebond, le bon service de Mikael Hansen. Ouais, il faut être tellement vigilant sur Mikael Hansen que. Là, regardez, on en oublie le pivot là. Hein. C'est Dika même qui monte un peu trop haut. Il avait le pivot qui était dans son secteur. La connexion parisienne a bien fonctionné entre Mikael Hansen et Toft Hansen. Nous aussi, on a un homme au bandeau. Il a la balle, Dika même. Allez, Quentin Mahé. Allez, c'est bien que Vincent Lagarde soit efficace dès le départ parce qu'il va falloir faire souffler Nico. Comme dans du bon, Dika même. La dernière minute de cette première mi-temps, toujours plus 4 pour l'équipe de France. 50 secondes à jouer. La marque bien répartie entre tous les Français. Dika même qui inscrit son troisième but, c'est le meilleur buteur français. Allez, on conserve cet écart de 4 buts. Et on joue à 7 contre 6, hein, spécificité danoise. Ça avait commencé d'ailleurs à Rio. Ça avait considérablement gêné les Français en finale. On est bientôt, maintenant bien adapté. Et encore un jet de 7 mètres provoqué par Gitzel. Parce qu'il a posé son double appui. Son double appui de feu. Regardez, là ça va faire. Là, bam, tac, tac, tac. Ouais. Et là, de toute façon, la garde était battue. Dès la pause du double appui, là, il est parti dans le sens. Alors, allez, il y a c'est penalty. On imagine Clémence et Robin, ses enfants, devant la télé pour encourager le papa. Il en est à combien au jet de 7 mètres? 3 sur 11. Il reste sur sa ligne. Est-ce qu'il va rester sur sa ligne? Ouais, il fait le choix de rester sur sa ligne. Les mains sur les genoux. Ah, pas loin. 13-10, il reste 10 secondes. Est-ce qu'on va avoir le temps de mettre quelque chose en place? Il faut vite jouer là, vite jouer pour marquer ce 14e but. Déclencher un tir avec rebond. Magnifique. Avec le rebond juste devant Landine. Et on va s'arrêter là pour cette première période, cette première minute qui voit l'équipe de France en finale des JO être devant et avoir un petit matelas d'avance. Un tout petit. De 4 buts contre ces Danois. Oh, le tir, quelle entrée en jeu de Quentin Mahé dans cette finale. Il était super ce tir. Il en dégoûte Nicolas Jakobsen, le sélectionneur. Du Danemark et la rage de Quentin Mahé. Plus 4 pour l'équipe de France, 14-10. Dika même meilleur marqueur côté équipe de France, Vincent Gérard, 4 sur 13 dans sa cage. Le meilleur buteur de ce match pour l'instant est Mikael Hansen à 5 sur 9. Voilà, Leslie, je vous repasse la main. Notre Jalem arrive pour débriefer avec vous cette première mi-temps qui voit donc les Français en finale du tournoi olympique menés de 4 buts contre le Danemark. C'est parti pour cette seconde période. L'équipe de France en finale olympique en quête d'un troisième titre olympique. Le troisième en 4 éditions. Les Danois eux défendent cette couronne acquise du côté de Rio il y a 5 ans. Plus 4, balle de plus 5. Quentin Mahé qui enfonce Toft Hansen. Il l'avait d'ailleurs dit. Je vais écraser, hein, je vais écraser la défense. Superbe entrée en jeu de Quentin Mahé. Lors de 2 buts, dont le dernier juste avant la pause. Nico Karabatic lui en défense, c'est impérial. Il tente de trouver son frère. On décale la porte. Parfait. Et ça fait plus 5, messieurs, dames. Parfait. Allez, cette attaque, elle a été très bien jouée parce que les garçons ont libéré les ballons plutôt que de les enterrer. Regardez, hop, là, Nico qui libère ce ballon. Et on continue. Karabatic. Di Loulou. Et plus 5, évidemment le plus gros écart de cette partie. Attention, on se marche dessus, là, Gitzel et Matt Mensa. La bonne défense encore une fois de Nico Karabatic, un des joueurs les plus âgés sur le terrain, qui prend là, face à lui, l'un des plus jeunes et l'un des plus virevoltants. La valeur montante du handball mondial, Mathias Gitzel, on trouve. Et on n'a pas réussi à saisir de la balle du côté de Magnus Landin. Et pourtant, c'était une passe de décalage. Hein, oui, parce que Mikael Rémilly était un peu short. Mikael Hansen, la passe pour Toft Hansen. Il tire pas, il prend pas. Qu'est-ce qui arrive là dans les mains des Danois? C'est fou. Tout à l'heure, c'était Gitzel. Là, à deux reprises consécutives, c'est Magnus Landin, le frère du gardien, Niklas Landin. Regardez, deux fois, incapable de s'en saisir. Tant mieux pour les Français.
chez les messieurs, les Russes, anciennement soviétiques, comptent 4 médailles d'or. Les Français pourraient revenir à... Nedim qui se bat. À la différence, on voit la différence avec les Danois. Hein. Hésite, mais attention là, attention. Si lui commence à être en chaleur là, Mathias Gitzel, ça peut très très vite se retourner contre les Français. On l'a très peu vu sur les faces offensives, bien pris par la défense française, mais Gitzel s'il trouve l'intervalle à chaque fois. Oui, et surtout que là, le défenseur numéro 2 était trop isolé, hein, aussi bien à gauche qu'à droite. Gitzel avait de l'espace des deux côtés, c'est difficile à défendre quand on a un attaquant aussi bon un contre un. Regardez ce duel là, regardez Lucas Karabatic comment il se bat. Ouais, regardez-le. Oh là, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il a fait Lucas Karabatic là. C'est un chef d'œuvre ce but de combativité. Quel combattant, oui. Et d'intelligence ensuite pour envoyer ce tir sous la barre. Et de l'autre côté Vincent Gérard. Allez, on prend le temps. 17-11. Super Vincent. 17-11. Alors là, il y avait les, sur le but précédent, hein, de Lucas. Eh oui. La combativité et ensuite cette faculté à garder cette conscience là face au but et d'envoyer ce tir alors que Niklas Landin était au sol. Mais alors là, 17-11 face au Danemark, une équipe danoise qu'on ne reconnaît pas trop, très clairement. On connaît ça pour l'instant. Ils sont en train de passer à côté de leur match, ouais, mais alors des Français. Attention, il ne faut pas le chauffer également, Niklas Landin, ce tir de Karabatic. Replier à 6 mètres. Et le bon retour de Valentin Porte. Gitzel en un contre un encore et le but est accordé. Okay. Et s'il n'avait pas marqué, il aurait sûrement obtenu un jet de 7 mètres. Et attention à Gitzel qui est en train de revenir. Mais il n'a pas marqué pour l'instant. Ouais. En seconde période. Avec son bras qui est complètement autour là de Karabatic et il permet grâce au poignet. Hein. Ouais, il a fait passer le bras, sa liane là, et puis ensuite quand le bras et l'épaule sont passés, il n'a plus qu'à déclencher. 17-12. Et on entend la colonie danoise là qui encourage, on a vu les drapeaux tout à l'heure. Ouais, l'arrêt, le deuxième de suite pour Niklas Landin sur ce tir de Quentin Mahé. Heureusement qu'il est là, Landin, pour les Scandinaves, hein, parce que... C'est lui qui regardez Gitzel là, qui a tapé des mains, il a devant le ballon. Il a tous les ballons. Et, quand et heureusement Gitzel, que nous avons aussi de l'autre côté Vincent, qui fait les arrêts. 5 sur 16. Il est dans la continuité de son match de demi. Il a été obligé de libérer sa balle. Cette fois-ci, le bloc qui a bien dissuadé Mads Mensa et ensuite, bien aidé par sa défense. Et heureusement qu'il n'a pas vu son pivot qui était assez libre. On va sortir du camion, évidemment, pour laisser place. Ouais, ça croise. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tir qui finit sous la barre, n'importe qui reste au sol. Touché à la hanche. Ouais, mais ce que je comprends pas là, c'est pourquoi les arbitres n'arrêtent les pas. Les arbitres, ils. Et là, ils vont nous donner en plus. Mais ils le voient, on a un joueur au sol. Pourquoi ils n'arrêtent pas le temps. Bien sûr, Guillaume Gilles, il le dit, il a pris un coup à la face là. Il semblait que ça soit à la hanche. J'avais l'impression que c'est quand il est retombé qu'il s'est fait mal à la hanche, mais en plus de ça, ouais, il s'est fait mal à la hanche, mais quand même, il a pris un coup au passage. Hein. Ouais, Boiti, mais il y a eu une main dans le visage également, sûrement avant. Est-ce qu'il y a eu 2 minutes. Il y a jet 7 mètres, ça c'est sûr. A priori, ce n'est pas le cas. Heureusement, moindre mal. Yann Gentil, de nouveau face à Mikael Hansen. Tout à l'heure, il est resté sur sa ligne. Est-ce qu'il va nous refaire le coup? Il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Allez Yann. Faut le refroidir un petit peu, l'homme au bandeau. Ah, encore deux une fois. Deux fois, le même. Tir trop puissant. Le 6e but dans cette finale de Mikael Hansen. Il en a mis 12 en demi-finale. On l'a dit, meilleur buteur de l'histoire des JO, Mikael Hansen. Avec cette c'est ça, il a chuté sur... Défense 1-5, là. Sur sa hanche. Oh là, quel arrêt de Niklas Landin là, sur... Allez, il faut replier, Quentin, il faut replier. Ouais, plus que 3 en défense, là. Et l'arrêt. Un match de gardien. De gala et de gardien. Un match de gardien, c'est incroyable.
Nouvel arrêt. Cette main gauche là, le pouce de la main gauche qui dévie. Le bras est rigide. Le septième arrêt de Vincent Gérard. On n'était pas loin de la perte de balle. Avec Magnus Tandin là qui défend en 1-5 avancé. Et encore une fois 5 en pause. Attention parce que Niklas Tandin, Noji, il est en train de faire une très très grosse seconde période. C'est lui qui détient un bout de bras. Le bon renversement. Cette passe sautée, magnifique. De l'autre côté. Cette passe sautée là de Gitzel après son 1 contre 1. Allez, il y a eu 6 buts d'avance pour les Français, 18-12. On vient de prendre un petit 2-0. Heureusement que Vincent Gérard, dans la cage, a mis quelques barbelés à apporter le ciment et compagnie. Et les Danois qui ont changé leur défense avec une défense 1-5. Bravo! Voilà, il y a eu un contact avec Mikael Hansen, sauf que Nedim Remili, il avait tout vu. Et il avait vu que Niklas Tandin était avancé. Plus 5 à nouveau. Tout en finesse, ce lob. La vista de Nedim Remili. Petite manchette sûrement contre lui. Et ce chrono qui défile très lentement, je trouve. 7 minutes 45. Plus 5 pour l'équipe de France. Cette finale olympique rêvée, l'apothéose pour terminer ce tournoi masculin. Nicolas Karabatic face au jeune Gitzel. Ouais, la passe est sublime pour Tof Tansen. Ce petit embarré que Mikael Hansen a en l'air pour fixer les deux défenseurs numéro 2 et 3. Regardez, hop, un petit temps et tac, je fais cette passe. Il est monté pour aider Fabregas. Que là, il aurait fallu que ce soit Fabregas qui monte et Remili qui soit sur le pivot en termes de répartition, mais c'est tellement facile à dire quand on est face à Hansen. Le croisé pour Niko Karabatic. Oh, il aurait presque pu y aller. Il avait plus d'appui. Grosse défense de Landin là. Le sac de Luka Karabatic. Bravo, ça marche bien ce tir à rebond. Nedim Remili qui nous fait un 4 sur 6. Un très bon match. Ouais. Le 20e but de l'équipe de France. Nedim Remili qui en est à 3 buts dans cette seconde période. C'est ça, toujours avec ce travail là de Luka Karabatic, regardez. Qui a enfoncé Molgar. Ouais. C'est pas pour rien que Nedim Remili arrive à tirer comme ça et surtout à pas être touché. Hein. C'est tout le travail de nos pivots et qui permet à la base arrière de tirer de loin. Ouais, ils reprennent cette défense, cette attaque à supériorité numérique. Ça a été leur façon de faire il y a 5 ans. Leur empreinte lors de cette finale à Rio. Et à l'époque, les Français avaient mis du temps à s'adapter. Hein. C'était la règle venait d'être instaurée. Entre-temps, il y a eu beaucoup des rencontres, des équipes aussi qui ont utilisé cette supériorité numérique avec deux pivots. Ouais, il y a 9 joueurs français sur la feuille de match qui étaient présents à Rio il y a 5 ans. Ils se connaissent par cœur. Allez, le bloc. Ah, super, Matt Mensa s'est débrouillé tout seul. Il a contourné Luka Karabatic. Allez, on va placer l'attaque. On va revoir ce but de Mats Mensa. Ouais, entre les mains de Luka Karabatic. Et toujours cette défense 1-5 avec le grand Magnus Landin, l'ailier gauche d'1m97 là qui sort. Attention. Ouais, vigilant Lucas Ballot, il avait tout lu. Il n'y a pas eu un seul 2 minutes pour les Danois depuis le début du match. Hein. Nicolas Tourna a pris 2 minutes en première mi-temps. Les arbitres qui ne sortent pas les joueurs pour l'instant. Allez, on
On est espacé forcément avec cette défense étagée côté Danemark. Si on passe le premier rideau, après tout s'ouvre généralement. Oui, il faut essayer de d'effacer, d'éliminer ce numéro 1 avancé. Et Quentin Maé en est capable avec ses appuis aussi très rapides là, ses appuis de feu. Ils reviennent de tellement loin, ces joueurs de l'équipe de France. On se souvient de cet Euro 2020 qui s'était terminé sur un fiasco. Guillaume Gilles a depuis été nommé. Allez, il a essayé de glisser. Bravo, Nico ! Le 2 et le 3. Et là, par contre, attention, ouais. Attention. Attention. C'est le genou gauche qui a pris en début de saison. Et Niklas Landin, il s'est écrasé sur la jambe de Nico Karabatic. Ça semble aller, heureusement. Oui, heureusement qu'il s'est retenu, hein, Landin. Il n'y a évidemment aucune volonté de blesser le Français. Plus 5 à nouveau avec ce nouveau but tricolore marqué par Nico Karabatic. Mats Mensa, lui aussi, hein, on voit surtout Mensa et Gitzel là. Hein. Un joueur d'origine ghanéenne. Heureusement, il n'a pas su s'en saisir, Kostensen. Dès qu'il prend la vitesse, Gitzel, il me fait peur. Non, il a réussi. Ouais, elle est pour nous, est pour nous. Eh oui, monsieur, et oui. En touche, monsieur Landin. Plus 5 toujours, l'équipe de France qui a compté 6 buts d'avance. Bon. Écoutez, pour le moment... On va prendre. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Il faut continuer. La 10e perte de balle déjà pour les Danois. Jouer comme ça, toujours aller vers le but. Cette défense qui est étagée offre des espaces. Et là, c'était limite cette perte de balle tout à l'heure sur l'action précédente. On peut imaginer que s'il y a un début de passage en force, on va assister dans l'autre sens. Ah, j'ai cru qu'il était dedans. Ouais. Les Danois ne peuvent pas rester pendant toute une finale olympique à déjouer. C'est pas possible, ils vont s'éveiller à un moment donné. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faudra encore plus fort. Le temps mort, demandé par Jakobsen. Plus 5 pour l'équipe de France. Vi ender alligevel dernede, så for at tage noget tryk af det. Ja, det kan også starte i 5 meter. Ja. Men det er fint. Kigger vi lige på, hvad de kommer med i kæden. Hvis Mem kommer ind igen, så bliver klar til at gå op i 5-1. Så bliver vi lige 6-0, hvis det er den kæde her. Op i angrebet nu, det kan vi spille Nordsjælland Olsen. Eller fransk. Hvor vi har stregen i midten. Mathias over på det brede punkt. Han står holder der ind over. En mouvement, ce qui a marché en première, qu'on n'a pas refait, c'est le Hugo double croisé sur le frère des. Mais pour venir. Les gars, ensemble, allez, on lâche rien, allez, 6-0, allez, 6-0, bleu, Pierre, allez, 0-0. Comme ça, avec un boule bas. Vous êtes. Vous avez fait danois LV1 plus 3 ans durant votre carrière là-bas. Au moins LV1. Vous avez tout traduit. C'est ça. En tout cas, ils vont changer de défense. Hein. D'une défense 1-5, ils vont passer à une défense, repasser à une défense 0-6. Je fais un jeu de Morten Hansen, le numéro 25 à l'image. Et Nico Karabatic qui expliquait qu'il y avait un mouvement en attaque qu'on ne faisait plus avec la sortie du pivot. Hein. Débuté par un Yago et qui avait plutôt bien marché en première mi-temps. Ouais, ouais, ça c'est bien, on est bien monté. Allez, voilà. Attention, là il y a une grosse faute de Lucas Karabatic. Oui. Toujours pas de 2 minutes. Non, les arbitres considèrent que ça ne mérite pas 2 minutes. En tout cas, ils n'en sifflent pas. Et puis là, il y a un bon 20 kilos de différence entre les deux. Le tir. Bien contré. Et récupéré. Puisque cette balle est tombée sur le pied du Danois qui ressort immédiatement pour faire rentrer Mats Mensa en défense. Regardez, il repasse donc sur ce dispositif 0-6 parce que cet 1-5 finalement n'a pas porté ses fruits comme l'entraîneur danois aurait souhaité. Est-ce que Fabregas va venir chercher cette balle? Il reste là en buée
dans le secteur central. Romain Lagarde a envoyé ce missile tout à l'heure en première mi-temps. La fin de passe de Nedim Remili. Attention, c'est arrêté. On va bientôt lever le bras. C'est fait. Complètement inversé au niveau des postes. Pour Nedim Remili, à l'aile pour Desca. Et la main de Niklas Landin. Ah, ce match-là fait complètement chuter toutes les stats de Hugo Desca. Oui, qui avait raté qu'un seul tir jusque-là. Et là, il n'en a pas marqué. À part le pénalty. Le pénalty, oui, le premier. Mais après, il est échappé. Là, attention au vent de révolte hein, scandinave. Il ne faut pas les laisser penser qu'ils peuvent revenir au score. Six buts de retard, ils en ont encore 4. Parce qu'on l'a vu hein, chez les filles, hein, les Russes contre les Norvégiennes. Oui, il n'en est pas fallu peu. Ah oui, je pense que si elles avaient 10 minutes de plus. Les Norvégiennes qui ont buté pour un but face aux Russes, qu'on retrouvera demain en finale face aux Françaises à 8h. Soyez au rendez-vous évidemment avec vous, Noji. Pour aller chercher cette première médaille d'or olympique pour les filles après l'argent de Rio. Nedim Remili. Allez. Qui sert. Non, cette balle est perdue. Faut revenir là, Romain. Allez, faut faire l'effort. Mikael Hansen face à Vincent Gérard. Il ne se pose pas de question là, hein, Mikael Hansen. Hein. Attention là, les Scandinaves qui reviennent à moins 3. Il faut rester serein, messieurs les Français. Restez serein, mais faites-nous une attaque bien constructive pour marquer des buts. Parce que là, ça fait un certain temps qu'on n'a pas vu de but en attaque placée suite à une combinaison. Vous allez forcément se réveiller à un moment donné. L'embellie danoise qui commence là, qui a fait la moitié de son retard. Et en plus, si ils se mettent à marquer des buts en contre-attaque, on ne répond plus de rien. On fait évidemment reposer Nico Karabatic en faisant rentrer Romain Lagarde. Il y va. Il sert Desca qui reprend. Allez, allez, allez. Ouais, ouais, ça, c'est super. Bien. Hugo Desca qui est resté sur 3 échecs. Important celui-là, il est important. Et on est dans la seconde partie de la seconde mi-temps, 16e minute, la 46e de cette finale. Attention. Allez, la bonne sortie, voilà. Voilà. Guitzel, il faut vite sortir celui, Romain Lagarde. Ouh, ouais. Un jet de 7 mètres. Ouais, oui, mais même, si c'est pas, même si c'est involontaire. Et il va prendre 2 minutes. C'était involontaire. Autant de pénalty, je veux bien qu'on l'accorde parce que. Non. Là, regardez, hop. Puis retire ses pieds en plus. Oui, c'est pas volontaire, mais 2 minutes sur une action qui est. Et Luca Ballo qui dit à l'autre. Regardez Magnus Landin, il vous dit, il vous confirme ce qui s'est passé. Bon, et bah, double sanction pour l'équipe de France. Mikael Hansen, dans l'exercice, en est depuis le début du match à 100%. Il a face à lui Vincent Gérard. Je pense qu'au sommet de cette catégorie, mais il n'y a rien à faire. Il y a toujours cette liane là. Ce bras incroyable de Mikael Hansen. Mikael Hansen, il en est à 5 sur 5, il en a 9 sur 13 dans cette finale. 9 des 19 buts marqués par son équipe. Il avait marqué 12 des 27 buts marqués par le Danemark en demi-finale. Et là, on en prend même direction. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Pas de suspension de 2 minutes pour l'instant pour les Danois. Il y en a eu 2 pour l'équipe de France. Allez, Nedim Remili sur jeu placé, il faut retrouver quelque chose. Oh là là, encore une fois, c'est à côté, le poteau. Attention là, cette période. On est dans un temps faible. Ouais, c'est une petite période délicate où les Danois peuvent revenir à 2 buts et recoller un peu au score. Allez, là, on le voit, là, les Français ont besoin là, de s'encourager. Nedim Remili qui appelait. Ah, quelle tension, quelle tension. Français dans les tribunes. Devant vos télés. De la délégation française. Oh, attention. Attention, et là, ça peut encore faire un 2 minutes. Dit quand même. Oh là 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 là, c'est confirmé. Autant ils n'avaient pas mis de 2 minutes lors de la première période. Autant là. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est considéré comme ben volontaire de la part de Dika même. Et puis après, FX, même si des fois c'était involontaire, les arbitres sifflaient quand même 2 minutes. Hein, parce que c'est considéré. Ah, regardez, il n'y a plus personne en défense. Non, c'est pas qu'il n'y a plus personne, c'est qu'ils sont que 4. Mais oui, je sais, mais c'est parce qu'on en a 2 sur le banc. Oui. J'ai bien vu. Je sais que vous avez vu. Mais là, c'est un choix là, de Nedim Remili hein, de laisser l'ailier tirer. Il ne peut pas faire autrement à un moment donné, c'est. Et plus que 2 buts d'avance
il va falloir bien gérer ce moment très délicat où on se retrouve à 4, maintenant 5 en attaque parce qu'il n'y a plus Vincent Gérard dans les buts. Oui, et contre l'Égypte en début de match, Guillaume Gilles, arqué français qui est mené 5-1, avait décidé de ne pas poser de temps mort. Là aussi, il laisse les Français se débrouiller. Vous êtes des grands, c'est à vous de Allez. Tout ça. Et ça ne fait plus rien, les buts sont vides. Les buts sont... C'est bon, Vincent est revenu. Et on a récupéré un joueur. Et alors là, si on fait sortir Nicolas Standing pour attaquer à 7 contre 5, on va se compliquer. C'est le 1 contre 1. Oh là là, terrible. Là, il faut faire quelque chose, Guillaume Gilles. 22-21, il y avait 6 buts d'avance. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce joueur-là? C'est 1 contre 1, tac, tac, je reviens. Il marche pas, hein, parce qu'il est tellement rapide sur ses appuis. Ah, quel match. On va prendre un 5-1. Allez, voilà, le temps mort. On va calmer tout ça et surtout il faut recommencer à marquer sur attaque placée, on n'y arrive plus. Et c'est dommage qu'on n'ait pas fait en sorte de conserver cet écart là. Allez. Allez, il ne faut surtout pas. Tout le monde écarte, Moulinette, Yago et un Islandais. Enchaîné. On continue à mettre les pivots sur les deux. Ils se mettent derrière, on va avoir quelque chose à la fin. Oui, par bien, contre, le duel, on a dit, on se laisse le temps. On va faire la différence. Les gars, il faut continuer. Continuez, les gars. Il faut mettre des buts. Mettre des buts sur les situations. Allez, les gars. Nordsjælland over til Mathias, træk det bredt. Mikkel klar til at komme på det brede krydsspil med Saustrup. Over, eller så bolden over til Mathias, og så klar til at komme på anden gang i midten, ikke? Hey, kom så! Hvad kan vi for? Bon, vous avez compris hein, que Mathias Gitzel a toujours un rôle important sur cette attaque. Et puis après, si le 1 contre 1 il passe pas, il y a toujours Michael Hansen hein, qui va tirer de loin. Donc voilà les deux joueurs clés de cette attaque danoise. Hein. Très clairement, Michael Hansen, Mathias, Gitzel, l'attaque repose sur eux. Et nous, on compte sur nos Français hein, pour bien gérer cette infériorité numérique. En mode Newcastle, Hugo Desca. Luka Karabatic, il faut marquer, ça fait de longues minutes. On n'a pas trouvé le chemin des filets. Voilà, c'est bien. Le temps passe. Allez, 3 secondes. Allez, c'est bon. De deux joueurs en moins, on reprend notre égalité numérique. Dans la cage. Oh, attention, il a glissé Nico Karabatic. Ouais, là. C'est. Terrain quelque peu humide. Pas de bobo, heureusement. Nedim Remili qui a provoqué cette faute, mais pas de jet 7 mètres, pas de problème. Là, qui a tout arraché, qui a enfoncé Sokstrup. Et on le subodorait hein, que le Danemark allait à un moment donné retrouver de l'allant, de la vigueur. Ils ne pouvaient pas rester 60 minutes à jouer comme ça et à être à côté de leur pompe. Les Danois, ils sont double champions du monde en titre, ils sont champions olympiques en titre. Et ils ne sont plus qu'à un but des Français. Le bras est levé. Le bras est levé. Allez, faut prendre ses responsabilités là. Faut tirer à l'ennemi. C'est ça. Oh, quelle défense. Il s'est retourné. Lucho. Oh, le poteau. Oh, bah, il était en zone. Ouais, il était en zone. Ça commence à devenir un peu compliqué là. On est dans une sale période. C'était du billard. Le poteau qui aide encore une fois Niklas Landin. Tout à l'heure, c'était sur un tir de 10 km à 9 mètres. Cette fois-ci, la balle avait été récupérée par Lucas Ballot. Et oui, là on le voit, hein, l'efficacité au tir hein, qui a complètement chuté 50%, c'est dur. En deuxième période. Et évidemment, celle des Danoises est bien remontée. 64%, 21 sur 33. Morten Olsen pour Mikkel Hansen. On va tenter de trouver Sokstrup. On donne le ballon à Gitzel. Allez, Olsen. Allez, défendez. Super. Voilà, le bras est levé également du côté. Attention, c'est 1 contre 1, parfait. Alors là, il faut que le bras soit levé maintenant, parce que ça fait un certain temps que... Ah oui, c'est le cas. Nos joueurs français défendent très bien. Attention, on a deux joueurs clés. Gitzel, ouais. Il va y aller, hein. Il va tout le temps y aller. Il est infatigable. Il est tout jeune, 22 ans. Il a l'énergie à revendre. Attention.
Oui, l'arrêt, ouais. celui-là, il fait du bien au moral, Noji, 22-21, enfin. Ben moi, je sais pas pour vous, mais oui. Moi, je commence à avoir un peu de mal à respirer. C'est un match qui est... pouf. Ouais, un peu, commence à être un peu stressant, là. Avec la tête, avec le cœur également, Vincent Gérard. Allez. Le 8e arrêt du Français, à 8-29. Il faut vraiment qu'on... Tout peut se débloquer sur... Oui, qu'on arrive à cette attaque. Oh là là là. Allez, c'est pas grave, on va la récupérer. Ne... Replacez, c'est vous qui avez le ballon, c'est vous qui êtes maître de cette attaque. Allez, Nico. Oui, allez. Voilà. Ah là, Nedim Remili. Parfait. Nicolas Landin qui l'a effleuré. Cette balle, ça n'a pas suffi et ça redonne 2 buts d'avance à l'équipe de France. Il reste 8 minutes dans cette finale. On prend beaucoup de 10 minutes, on prend de 2 minutes, on prend beaucoup de buts. Dans cette seconde période, allez, c'est bien. Dit quand même là qui s'est débarrassé de Mikael Hansen. Non, oui, on la prend pas, non. C'est important là. Mika Guigou, le capitaine. Allez. Faut sortir. Attention, faut lever les bras. Et voilà. On a levé les bras et on a Vincent Gérard qui a terminé le boulot. On ne l'a pas pris. Il est énorme. Il est énorme encore dans cette finale. Il reste 7 minutes à jouer. Je n'ai plus besoin de ma chaise. Bah, il a effleuré, hein, Fabregas. Mais c'est un bon travail avec le contre. Hein. C'est un très bon travail. Oh, la détermination de Vincent Gérard. Quel tournoi il est en train de nous faire. Lui qui a été si souvent décrié dans les moments importants. Il finit très bien et on espère que les Français aussi vont aller au bout. C'est pas grave, on a récupéré. Allez. Oh là là, les deux. Il y est ou pas? Il y est pas. Non, il était devant la ligne. A priori, cette balle qui a touché d'abord la transversale et ensuite le poteau. Et on va aller vérifier. Ouais, vérifions. A priori, ça rebondit juste devant. Hein. Mais prenons le temps de vérifier parce que ça serait vrai. Ouais, il y est pas. Il y est pas. Mais bon, il vaut mieux vérifier. Les sœurs Bonaventura, hier, lors de la demi-finale fille entre les Norvégiennes et les Russes, à un moment donné, sont allées voir, effectivement. Elles ont accordé un but qui, dans un premier temps, n'avait pas été accordé. 23-21, plus 2 pour l'équipe de France. Moi, je prendrais bien un petit arrêt de Vincent Gérard, la Noji. Aussi. Un plus, 6 minutes. Et toujours cette maigre avance de 2 buts. Et une récupération de balle, ça serait... Attention, le pivot. Surtout ne pas prendre de 2 minutes. Continuez à défendre proprement là sur Gitzel. Les mais Danois, surtout évitez de prendre 2 minutes. Les Danois qui n'en ont pas pris une seule. Ouais. Allez, on ferme. Hansen, ouais, tout seul. Ouais, là. Pénalty. Et là, double sanction. Mais encore. Non. Pénalty et 2 minutes pour Nicolas Karabatic. Cet arbitre macédonien nous font beaucoup de mal dans ce match. Je les veux bien, je veux bien le pénalty, mais 2 minutes. Là, on joue à 7 contre 9. Alors, la faute, elle est claire. Le pénalty, il n'y a pas de problème. Il en est ainsi. Allez, Yann Gentil. 5 sur 5 pour Mikael Hansen. Peut-être le 10e but du Danois dans cette finale. À moins que le gardien du PSG trouve la recette. Voilà Yann Gentil, merci monsieur, merci pour tout. Oui, il a eu raison de rester sur sa ligne. Il était à chaque fois les deux premières fois. C'était pas grand chose. Et cette fois-ci, il a encore bien lu le tir de son coéquipier au PSG. Quel arrêt. Peut-être déterminant cet arrêt, à moins de ça, à 5 minutes là. Et oui, chaque but est important. Il le sait Nicolas Jakobsen. Il en a de l'expérience. Dans un match, il en a mis 15 des buts, cet homme-là. C'est lui qui possède le record au Danemark. Allez, Romain Lagarde avec Nedim Remili. Oui, Nedim, va aller. Seul. Il faut y aller, là, c'est bien. Les 5 dernières minutes de cette finale olympique. Plus 2. C'est tendu, c'est archi tendu. Toujours plus 2 pour la France. Allez, Dika. Allez, oh, c'est à côté encore. C'est et pas encore. Possible, ça fait... Deux fois sur le poteau. Oui. À vouloir être trop précis. Et puis on avait le temps, on jouait un moins en plus. Il y avait peut-être possibilité de garder la balle. Il avait la solution de tirer de loin. Ouais. Il aurait mis, on l'aurait applaudi.
attention à celui-là. Voilà, ce Gitzel là. Mais bien sûr, on est à 2-1. Forcément. Regardez, il y a de l'espace et c'est tout ce qu'il adore. C'était bien fermé, mais il est tellement fort ce Matthias Gitzel. Il fait une seconde période. Il a été transparent en première mi-temps. On l'a surtout retenu ses pertes de balles. Oui. Et là, il fait ce qu'il veut avec la défense française et il redonne cet écart d'un but à 4 minutes. Ah oui, Danemark, on les entend dans les tribunes. Allez, le Yago avec Luka Karabatic, Dikamen, Nedinomil, il faut absolument marquer là. Il ne faut pas laisser revenir ces Danois à hauteur, à égalité. Allez, retrouver du mouvement, retrouver de l'espace. Ils ont fait trop de chemin depuis cette Euro. Les courses lancées. Nedim Remili. Allez. Et toujours pas. C'est Nedim qui prend le match à son compte là. Il faut que... On retrouve du mouvement. Et on imagine que le papa Kamel est devant la télé. Bien sûr. Champion de France avec Créteil, c'était en 89. Aujourd'hui, directeur général du club depuis bientôt 20 ans. Allez, Luca. Non, mais et là, il n'y a pas une défense en zone. À un moment donné, il faut quand même que ce soit équitable. Que ce soit équitable. On accepte de prendre 2 minutes, mais que ce soit équitable. Il a fallu attendre les 3 dernières minutes pour voir un Danois. Et là, il n'y a pas défense en zone aussi. Parce que de l'autre côté, on avait quand même obtenu... Regardez, il y a défense en zone. Donc, les Danois avaient obtenu pénalty. Hein, et il y a sur pas la même action. Et panneau. C'est pas grave. Ça rendra la victoire encore plus belle. Nodji, 2 minutes en infériorité numérique pour les Danois. Il reste 3 minutes 20 à jouer. Plus 1 pour les Français. Avec sur les ailes à Ballot et Desca. Fabregas et la base arrière même, la garde, Remili, le chemin s'est ouvert, voilà, oui. La bonne passe, allez Hugo, allez, plus 2 à nouveau, parfait, on le trouve bien Hugo Desca sur son aile depuis quelques minutes, il y a eu des ratés, mais là, c'est dedans, plus 2, super, il a pris le temps d'ouvrir son angle, allez si on pouvait, il y a tellement de revanches, continuez là, cette affiche, cette finale ouais. Au Olympique, cette demi-finale au championnat du monde où on va pas se mentir, ils nous avaient fessé les Danois, Nodji. Oui. 38-30. En 2019, 24-22 pour la France à 2-45. Nous, on demande juste un but de plus. Hein. Voilà, on n'est pas... on ne demande pas plus. Allez, Orsen, la bonne passe pour l'ailier. Attention, Gitzel. Voilà, bien défendu. C'est bien Romain Lagarde. Il faut être vigilant. 24 ans contre 22 ans. C'est le futur du handball mondial là, qu'on a sur le terrain. Mikael Hansen pour Gitzel. Bien pris, bien ceinturé. Super, Lucas. Allez, Dixon. Allez, le bras est levé. Oh, attention, la main était haute là, chez Luka Karabatic. Et l'arrêt. C'est récupéré pour les Danois. Mais le bras va être encore le relevé là, normalement. Ben, qu'est-ce qu'ils attendent? Eh ben non. Et pourquoi? Seuls eux le savent, Nodji. Le temps mort demandé par Jakobsen. Le sélectionneur. Plus 2, moins de 2 minutes à jouer. 24-22. Vi spiller Barca højre med overspring. Eller Garde kommer ikke så højt op på bakken. Mikkel kommer ind, Mathias klar til at komme på. Olsen ud på det brede punkt, og så lægge den til Johan. Og så er det afsted, Johan, ind og få banken i kassen, ikke? Hvis der, den er spids, så... Ja, så kommer... Nu tog frem Pivo. Ouais. Okay. Ah, Pivo. On a un peu plus, on a un peu plus, on a un peu plus. Non, pas, là, ils sont 6 contre 5. Ils sont à 6 contre 5. Ils jouent à 7, on fait ça. Allez, les gars, on s'en va. Allez, 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 bleu, fier. On prend une grande respiration. Oui. Il reste moins de 2 minutes. Si proche du bonheur. De ce 3e sacre olympique que les Français entreaperçoivent. Il reste 1 minute et 54 secondes. La fixe est Français qui ont mené depuis le début du match. Donc il faut continuer comme ça. Même si on a eu une petite période compliquée, ils ont réussi à la gérer.
Il nous reste 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Faut pas le prendre celui-ci. Eh oui, Vincent Gérard là qui se plaint de cette défense. C'était trop facile pour Olsen. Le joueur de Geoghegan qu'on a quasiment pas vu du tournoi. Il a joué contre le Bahreïn, il a mis 3 buts. Sinon, il n'avait jamais marqué dans tous les autres matchs. 1 minute 20 jouée, plus 1. Allez, si on marque celui-ci, on sera pas loin. On sera pas loin. On veut de l'or. On ne veut que de l'or. Allez, Nico Karabatic avec Nedim Reminetti quand même sur l'arrière. Oh, il aurait presque pu y aller. Lucas oui, Ballon. Mais on fait dérouler ce chrono. Allez, réécarter le jeu. Allez, allez Nedim. Non, 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 cette perte de balle, c'est pas possible. C'est une balle d'égalisation là, à 45 secondes. C'est une balle de prolongation pour le Danemark. À moins qu'il y ait une grosse défense, à moins qu'il y ait un arrêt de Vincent Gérard. Il va forcément y avoir une grosse défense. Ça peut à pas moins être qu'il y ait un miracle. Les 30 dernières secondes et on attaque à 7 contre 6. La spécificité. Les Danois peuvent la perdre cette balle. Il peut y avoir bien encore des choses. Tout peut arriver. Par contre, restez concentrés, vous savez. Il va passer derrière, pas dans le bon timing de Mikael Hansen pour Olsen. Ils sont à 2. Évidemment, l'inévitable Gützel. Oui. Ça joue. Tire, ça joue. Tire, c'est mis. Et champion olympique. Oui. Champion olympique. L'état d'esprit a été irréprochable, Nochi. L'envie de magnifique. Jouer les uns pour les autres. L'union totale pour aller dans le même sens, tirer vers le même sens. Ce Graal déjà atteint en 2008 et en 2012. S'il vous plaît, ne tentez pas de trouver un nouveau sobriquet à cette équipe. Un énième patronyme. Ils sont l'équipe de France, tout simplement. Et ils sont triple champions olympiques. Et ils sont bleus et fiers, comme ils le disent. Magnifique. 12 ans, 11 mois et 14 jours après le sacre de Pékin, les Français nous refont le coup d'aller chercher de l'or, cette fois-ci à Tokyo. Troisième titre olympique pour l'équipe de France, troisième titre olympique pour cet homme, Nicolas Karabatic, et quel homme. Guigou, et pour Lucas Ballot. C'est fou, c'est génial. C'est juste somptueux ce titre de champion olympique, la médaille d'or est à vous messieurs. Et félicitations aussi à un homme, Guillaume Gilles, qui a amener Guillaume Gilles, tout le staff. Jean-Luc Kiefer, Olivier Morelli, Vincent Griveaux, Pierre Sébastien, tous les kinés. Les joueurs comme Timothée Nguessan. À qui on pense évidemment. Desbonnel, le gardien qui a été réserviste, qui était là à Tokyo mais qui n'est pas rentré évidemment. Et puis une pensée aussi pour le nouveau président, Philippe Bana. Et puis tous les licenciés, il est en larmes. Et bien oui, il est pleuré, des pleurs de joie. Regardez, voilà, t'importe. C'est énorme, c'est magnifique. Mais quelle équipe de France. Mais quelle équipe de France. Regardez-les, ces messieurs-là. Et l'immense respect entre ces deux nations. Et Vincent Gérard, quel match. Quel match. On a érigé une statue à Nicolas Batum. C'est Thomas Morel qui a eu son fin mot. On peut en ériger aussi une à Vincent Gérard et à Valentin Porte. Ils ont tous été fabuleux, ces Français. Ah oui, ça lâche, et oui, ça lâche. C'est prodigieux. Regardez et ça. Et cet homme qui revient d'une rupture des croisés à 36 ans, Noji, 36 ans. Il est immortel, ce Nicolas Karabatic. Il ne croit pas, regardez. Il est là, il fait nom de la tête, mais oui, oui, vous l'avez fait. Et une nouvelle médaille d'or pour l'équipe. Vous êtes champion olympique, vous avez ramené l'or à la maison. Et Noji, la finale demain à 8h. Mais alors là, écoutez, en termes de parité, la Fédération Française de Handball aime bien la parité. Elle aime bien que les femmes soient au niveau des hommes. Donc c'était, maintenant, mesdames, ramenez-nous aussi cette médaille d'or. Les mêmes affiches qu'à Rio. Oui. France-Danemark, Russie-France, aujourd'hui comité olympique russe. On avait ramené de l'argent. Dans les deux finales, cette fois-ci, les Français ont montré l'exemple. Les Françaises savent ce qu'elles doivent faire. Aller chercher cette première médaille d'or pour le handball féminin français. Et la joie de cet homme, nommé en 2020, après cet euro complètement raté de la part des Français. Il y a eu beaucoup toujours, de scepticisme. Oui, mais il a toujours cru en son équipe. Il a toujours cru au travail qu'il faisait, Guillaume Gilles.
Et Eric Madrid, regardez, cet homme est passé par Courbevoie. Il entraînait les jeunes de Courbevoie. Aujourd'hui, il est à Chambéry et il est adjoint du sélectionneur. Et lui aussi est champion olympique. Et regardez la fratrie. Et regardez Luca, regardez Nicolas. C'est fou, quelle émotion. Médaille d'or et champion olympique, France. Bravo, messieurs. Immense respect, messieurs. À chaque Jeux Olympiques sans signe. Après la foudre, le salut nippon. La complicité là de Luca Ballo et Michael Guigou. Nos deux artistes à l'aile. Nadim Remili. Nadim Remili, Romain Lagarde, Melvin Richardson qui lui remet cette médaille. Dit quand même Melvin Richardson. Ce 7 sur 7 lors du premier match, époustouflant. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ensuite, mais qui a été irréprochable dans ce groupe. Nicolas Tourna. Nicolas Tourna. Quel défenseur. Le joueur de Kielce, parti de Nantes. Nico Karabatic qui remet cette médaille Vincent à son gardien. Gérard. Vincent Gérard, bravo Vincent. Quel tournoi tu nous as fait. Ouais, je te serre la main. 37 ans, Nicolas triple champion olympique, quadruple champion du monde, triple vainqueur du championnat d'Europe, de la Ligue des champions, élu trois fois meilleur joueur de la planète, Nicolas Karabatic. Quentin Mahé. C'est dommage, on ne les entend pas. Kenton Mahé. Quentin Mahé donc. Yann Gentil. Yann Gentil. Timothée Ngoussan. Et voilà les deux compères. Qui se soignent bien, Timothée. Luca Ballo. Luca Ballo, Mika Guigou. Ah, ça, c'est la fraternité, danse, ça. Magnifique. Ah oui. On est privilégié hein, d'assister à ça. Hein. On a de la chance, ouais. C'est comme si on y était un peu, hein, on partage aussi ça avec eux de loin, mais le cœur y est. Mika Guigou, le capitaine, qui a annoncé donc la fin de sa carrière internationale, lui qui a prolongé d'un an. Luca Karabatic. Quelle défense au poste 3 de Luca Karabatic. Immortel lui aussi. Et que dire de Wolverine. Ludovic Fabregas. J'adore ses poignées de main. Ludovic Fabregas, Hugo Desca. Qui a su se remettre dans le bon sens dans cette finale. Il a été tellement important en fin de match sur son aile gauche. Et Valentin Porte, c'était peut-être le plus atteint hein, tout à l'heure. Oui, hein, Valentin Porte, il était plein d'émotions. Il bougeait pas, il était pris par l'émotion. Jusqu'à ce qu'un de ses coéquipiers vienne le voir et le prenne dans ses bras pour lui dire que c'était vrai. Et Quentin Mahé aussi. Ce regard d'enfant, c'était juste, on l'a fait, oui, on l'a fait, c'est vrai. Et Joël Delplanque qui va... Ah là, sourire. Regardez ah, le sourire grand. En dessous de... Très grand. Attention. Eh petite... oui, l'émotion, l'émotion. Elle est là, c'était pas tombé avant. Voilà, on va mettre les deux mains pour tenir ce plateau. Ça devait être un peu bien lourd quand même. Il est précis là pour le deuxième. Le regard de Nico. Thank you.
et le dernier bouquet pour Valentin Porte avant sûrement de se prendre par les épaules pour écouter cette Marseillaise qui va résonner dans le ciel de Tokyo et très profondément dans nos cœurs. J'ai l'impression que c'est en train de discuter pour préparer quelque chose, non ? Mesdames et messieurs, l'hymne de la France. Ladies and gentlemen, the anthem of France. 皆様、フランス国歌の演奏です。